الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Regardez, subhanallah, le cinquième cas, c'est un cas vraiment intéressant, parce que être sauvé d'une fitne, parmi des fitnes comme celle-ci, il faut vraiment que le cœur soit pompé de crainte d'Allah. Sinon, c'est extrêmement difficile. Parce que chacun d'entre vous estime la différence entre une femme qui est seulement charmante, c'est une femme jolie, c'est tout, elle est misérable, et une femme qui est charmante et qui est riche, elle a presque tout ce qu'elle veut, elle n'a besoin de rien, elle n'a besoin de personne. La femme, quand elle est jolie et pauvre, c'est elle qui fait toujours la petite maligne pour se faire voir et des choses pareilles. Mais quand cette femme-là, elle est jolie et elle a tout ce qu'elle veut, le umniya de tous les hommes, c'est d'avoir une femme comme ça. Le umniya, ils peuvent se donner la mort pour une femme pareille. Mais maintenant, quand c'est elle qui appelle un jeune homme au zina et dit « Inni akhafullah », il faut savoir que ce jeune homme a ce qu'on appelle « sabrul ibil », l'endurance des chameaux. Ce n'est pas à portée de main, ce n'est pas facile. C'est à cause de ça qu'Allah lui donne ses privilèges. La peur d'Allah Azzawajal, elle paye en secret et en public. Il a donc peur, n'est-ce pas, il laisse donc ce qui est haram, malgré qu'il est capable de tomber dans le haram. C'est certainement dans un lieu isolé, dans un lieu loin des regards des hommes. Lakin, subhanallah, il, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il se met en garde. Malgré, comme on a dit, malgré que n'importe quel homme désire ce genre de femme, la plupart des gens. Et malgré que toutes les causes du péché sont rassemblées, hein, malgré cela, il se met en garde, parce qu'il sait que rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Comme vous pouvez le remarquer, mes chers frères et sœurs, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous fait confronter des versets dans le Coran qui sont tels que, lorsque vous les lisez ou vous entendez un frère vous les rappeler, vos cheveux se dressent directement sur votre tête. Vous avez, n'est-ce pas, ça dit, la chair de poule comme ça. Le cœur frémit. À l'instar de ces versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit « وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَتِنْ إِلَّا يَعْلَمُهَا » Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, vous dit « Aucune feuille ne se détache d'un arbre, sauf si Allah est informé. » Est-ce que l'un de nous estime un peu l'ampleur de ce verset du Coran? Regardez, ça dit, les forêts qu'il y a dans le monde. Les forêts qui cachent des arbres, et des forêts qui ont d'abord des milliards d'arbres, qui cachent d'autres arbres, et chaque arbre a des feuillages. À n'importe quelle échelle de l'affaire, dès qu'une seule feuille tombe d'un arbre, Allah est au courant. Ta'ala Allah wa taqaddas. C'est tellement compliqué lorsqu'on se jette dans le péché. C'est pourquoi je vous recommande, et je recommande à ma propre personne, une épître qui ne doit pas manquer dans la bibliothèque d'un étudiant soucieux. C'est le livre d'Ibn Qayyim al-Jawziya intitulé « Uddatu Savirin ». Tous les livres d'Ibn Qayyim aident beaucoup dans cette lancée. Sauf que « Uddatu Savirin » a cet avantage qu'Ibn Qayyim est venu avec un bab qu'il a intitulé « Bawa'if al-Khalas minazunub ». C'est-à-dire les motivations pour éviter les péchés, les motivations pour se départir des péchés. Lorsque l'un d'entre nous lit ce livre avec le cœur vivant, il n'aura pas le courage de faire un péché. Si le cœur est vivant à ce moment-là, et qu'il n'oublie pas cette conséquence et cette dette morale d'avoir ce qu'on appelle le kamal al-muraqaba, d'avoir en présence d'esprit qu'Allah l'observe en tout lieu, en tout temps, il n'aura pas le courage. Mais qu'est-ce qui nous fait commettre les péchés et beaucoup de péchés? C'est parce qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'on oublie qu'Allah nous observe à ce moment, c'est parce qu'on devient discret et insouciant. On n'a pas en présence d'esprit qu'Allah nous observe. Alors que certains versets dans le Coran nous laissent l'impression d'être perdus automatiquement. Allah Azza dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Quiconque, n'est-ce pas, fait un péché, ne serait-ce qu'à la taille du poids d'atome, il verra ce péché. Imaginez un péché à la taille d'atome, Allah va ramener cela. C'est difficile. Vous savez que nos péchés ne sont pas la taille d'atome,
Nos péchés sont clairs comme le soleil, la clarté. Mais Allah dit qu'il va ramener un péché qui a même le poids d'atome. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi celui-ci a un privilège immense comme ça, parce qu'il a toutes les dispositions de tomber, n'est-ce pas, dans un piège terrible qui est le piège des femmes. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'a pas laissé une fitna pour les hommes de sa communauté qui soit, n'est-ce pas, plus dangereuse que la femme. Jusqu'à ce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sœurs doivent nous excuser, le hadith se comprend d'une certaine manière, il n'y a pas d'ici de vilipender les femmes parce qu'il y a des femmes qui sont 100 milliards de fois meilleures que les hommes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec les umumiyat et dit, ma ra'aytu naqisat al-aql ad-din. Je n'ai jamais vu des êtres réduits dans la raison et la religion comme les femmes. À côté de cette portion-là, wa azhab liraj al-azim, mais capable de déstabiliser un homme dur, fort, ferme, c'est encore seulement les femmes. C'est encore seulement les femmes. Si quelqu'un peut faire le maximum d'efforts dans sa vie, d'avoir moins de relations avec les femmes, ce sera meilleur. C'est-à-dire le maximum d'efforts, d'avoir moins de relations. Les histoires d'amitié, de copines, de soeurs, WhatsApp et tout ça, si quelqu'un peut réduire ça, c'est plus proche du bien. C'est plus proche du bien. C'est plus proche du bien. Et ne pas mêler les soeurs dans toutes choses. Parce qu'on ne voudrait pas aussi cette jeunesse-là. Toutes choses, on a la présidente du collège économique, Maïmono, la présidente des affaires islamiques, Safia. De temps en temps, mettez un peu les femmes dans une rubrique plus proche du bien. Toujours la communication avec les femmes, les causeries avec les femmes, tout ça, ce n'est pas très agréable pour un étudiant de l'islam. Surtout pour un jeune. Parce que la fitna, c'est une fitna dure, la fitna de la femme. Il n'est pas question de dire que j'ai fait kitab tawhid, j'ai lu ceci, je peux résister. Là, personne ne résiste à la femme, sauf celui qu'Allah a protégé. C'est à cause de ça qu'Allah donne un privilège très très important à ce chape-ci qui a fui, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mal. Subhanallah, la femme est dans tous les états agréables. Yaqulu kama qala Yusuf, et il finit par dire comme a dit Yusuf, وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Donc si Allah Azzel ne te préserve pas de cette histoire-là, tu vas vraiment tomber dans des pièges pas agréables. Donc il préserve Allah Azzel, hein, et Allah le préserve, n'est-ce pas, des tentations de shaitan, et Allah le préserve de tomber dans le péché. Et il investit son âme à la crainte d'Allah, malgré que l'âme est incitatrice au mal. Et malgré cela, il dit, Inni akhafullah, j'ai vraiment peur d'Allah, le Seigneur des univers. C'est à cause de ça qu'il va vaincre son âme. Et comme vous savez, Ibn Qayyim, dans un de ses livres, Datu al-Muhibbin, il dit, lorsque la passion, elle a dépassé la raison, la personne a trahi son Seigneur. Parce qu'Allah ne nous donne pas la raison pour l'avilir derrière la passion. C'est la raison qui doit être plus forte. C'est pourquoi Imam Qatad ibn Da'amat al-Sudusi, il dit qu'Allah que les anges, n'est-ce pas, sont seulement dotés de raison. Les anges n'ont pas de passion. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas le sexe, ils ne se reproduisent pas. Les anges ne font rien de tout ça. Les shahwat, ils ne connaissent pas les shahwat. Allah a créé les animaux, Allah a donné aux animaux seulement les shahwat. C'est pourquoi la vie animale, c'est quoi? C'est manger et boire et faire le sexe. Manger et boire et faire le sexe. C'est comme ça les animaux. Maintenant, Allah a créé l'homme, il a mélangé les deux. Il a la raison et la passion, les deux voguent en lui. Maintenant, celui dont la raison va dépasser la passion va se ranger du côté des anges. Et celui dont la passion va dominer la raison va se ranger du côté animal. Et c'est pourquoi Allah Azzel fait allusion à des croyants, à des êtres humains qui sont comme des animaux. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ulaika kal an'am, balhum abal. Ils sont comme des animaux, ils sont pires encore que les animaux. Ulaika hum al-ghafiloun. Imaginez même un péché qui, si vous êtes dans un état islamique et que vous avez goûté le mariage, même si vous n'êtes plus marié, c'est la peine de mort d'une manière atroce, la lapidation à la pierre. Et cela a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Ma'if. On l'a lapidé à mort alors qu'il a fait le zina une seule fois dans sa vie. On l'a lapidé à mort. Cette femme-là, al-Khamidiyya, elle a fait le zina, on l'a lapidé à mort. Ça c'est du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être vraiment conséquent, surtout quand on est jeune. Vous savez, quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, mais il faut savoir où tourner cette énergie. Sharh wal ibana ala usul as-sunnah wad-diyanah.